Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans mon vidéo concernant leçon de grammaire, l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. D'aujourd'hui, ça nous parle le différence entre l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Donc, nous allons commencer comme j'ai l'habitude avec la phrase première. J'observe et je découvre. Donc, suivez-moi. La plus ancien quartier arabe de Grenade est situé sur la colline de l'Alhambra. Ses rues sont très étroites et ses places sont bordées de maisons blanchies à la chaux. L'Alhambra est un ensemble fortifié de bâtiments, ce site historique de la civilisation islamique est très célèbre. Donc, هاد 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 يعني هاد النص القصير فهو يعني تكملة لما رأيناه في النص الخاص بالقراءة لالومبرا قصر الحمراء. إذا تعرفون جيدا يعني هذا القصر وتعرفون يعني بناءه ويعني امتداد الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس، ويعني من بين مظاهر الازدهار الذي عاشته الحضارة الإسلامية ابن فترة الأندلس هو هذا القصر المعروف في غرناطة بإسبانيا. إذا اليوم سنتعرف يعني دور les adjectifs qualificatifs وسنتعرف كذلك أنواع les adjectifs qualificatifs. On a deux types adjectifs qualificatifs épithètes et attributs. Donc voilà, question numéro 1. Où le quartier arabe est-il situé؟ يعني هذه الأسئلة مرتبطين بهذا النص، يعني هذاك الحي العربي فين كاين. دونك سور لا كولين دو لا لومبرا، دونك الجواب سور لا كولين دو لا لومبرا. ها هو عندنا لو بلو اونسيان كارتي عرب دو غرناد اي سيتيي سور لا كولين دو لا لومبرا. دونك دوزيامون كومون اي سو كارتي، كيفاش داير جو يعني في الجمله الاولى لو بلو اونسيان، دونك هو قديم بزاف. لو بلو اونسيان كارتي عرب، le plus ancien quartier arabe. Donc troisièmement, comment sont les rues؟ qui dérine هذوك les rues؟ donc voilà la réponse، ces rues sont très étroites، les rues sont très étroites. Quatrièmement، d'abord نبداو الدرس ديالنا، relève dans les deux dernières phrases les mots utilisés pour caractériser l'Alhambra، يعني باش نوصفوا l'Alhambra شنو هما هذوك يعني لي مو اتيليزي، هذوك الكلمات اللي استعملنا الوصف كاركتريزي ديكريغ، يعني باش نوصفوا لا لومبرا. دونك لي دو ديرنيير فراز، لا لومبرا اي ان انسومبل فورتيفيي دو باتيمون، دونك عندنا لو مو فورتيفيي، سو سيت هيستوريك عندنا لو مو هيستوريك، دو لا سيفيليزاسيون اسلاميك دونك اون ا ايغالمون لو مو اسلاميك، تري سيليبر دونك le mot célèbre, célèbre pardon. Donc on a quatre mots: historique, célèbre, fortifié et islamique. Donc quatre mots qui décrit et caractérise l'Alhambra. Cinquièmement, donc quelle est la nature grammaticale de ces mots؟ شنو سيكون واش نون واش verbe واش adverbe واش préposition؟ ce sont des adjectifs، donc des adjectifs. Donc, par quoi l'adjectif célèbre est-il relié au verbe؟ donc, le verbe, le mot célèbre. Ha, ou le mot célèbre. Donc, les verbes. Donc, célèbre, le verbe هو être. Et, le verbe ou le mot célèbre. Non, un adverbe, très, un adverbe. Donc, par l'adverbe très. Donc, très. Il y a le biais entre le mot célèbre et le verbe. Ou quelle est sa fonction grammaticale؟ la fonction d'elle célèbre. La fonction d'elle célèbre, c'est un adjectif attribut. Donc, adjectif attribut. Qu'est-ce que adjectif attribut؟ يعني ما مرتبطش بالنون كي الكاليفي. رجعوا للجملة. ها هي الجملة. Donc, ce site historique de la civilisation. شنو هو le nom؟ هنا le nom اللي كنوصفو هو سو سيت، سو سيت
هاد لو سيت هذا هاد المعلمة هادي هيستوريك دو لا سيفيليزاسيون اي تري سيلبر. دونك شو هاد لو فيرب مرتبط بلو نو باغ لو بيي دان فيرب سي لو فيرب اتر. دونك سي ان ادجيكتيف اتريبي. Où l'adjectif ancien est-il placé par rapport au mot quartier? Rejoue le texte. Donc voilà le plus ancien quartier arabe. Un quartier, un ancien. Je vous rien. Ancien. Il est placé avant le nom. Donc l'adjectif ancien est placé avant le nom qu'il qualifie. Donc c'est un adjectif épithète. Donc il est à côté de nom qu'il qualifie. Il est à côté, ملاصق مع حداه. Donc les adjectifs épithètes qui sont ملاصقين مع le nom, نقدروا نقولوا entre parenthèses ملاصقين حداه. ما كتفصلهم حتى شي حاجة. واحد حدا واحد. Le nom حدا l'adjectif. يقدر يكون قبل منه, يقدر يكون بعد منه. ولكن ما بيناتهم حتى شي حاجة. ما كاين حتى شي préposition, ما كاين حتى شي verbe. كيتسمى adjectif épithète. إلا كان عندنا verbe وكنهضروا على les verbes d'état. Les verbes d'état. يعني افعال الحاله بحال اتر بحال سومبلي باراتر. هاد لي فيرب هادو كنسموهم لي دي فيرب ديتا. الا كان هاد لي فيرب لو فيرب ديتا اونتر لو نون اي لادجيكتيف, هنا تنهضروا على ان ادجيكتيف اتريبي. ادجيكتيف اتريبي. دونك فوالا دونك لو مو كارتي. دونك انسيان اي بلاسي افون لو مو. Ou sa fonction grammaticale, c'est un adjectif épithète. Deuxièmement, je manipule et je réfléchis. Je relève dans le support tous les adjectifs qualificatifs et je l'écris. Donc, j'ai mis les adjectifs ou bien tous les adjectifs dans le support. On a ancien, on a arabe, on a étroite, on a blanchi, on a fortifié, on a historique ou on a islamique. Donc, et je classe les adjectifs relevés dans le tableau suivant. Donc, nous rejouons le support. Donc, on a ancien, arabe, on a arabe. Donc, le mot quartier, c'est un nom, mais c'est adjectif. Donc, les adjectifs, on a la couleur pour marquer les adjectifs. Donc, on a ancien, on a arabe, on a étroite, on a blanchi, fortifié, historique. Donc, on a la fortifié, historique, islamique et célèbre. Donc, les adjectifs, pardon, les adjectifs, les عندنا. Je fais معايا مثلا ancien et arabe. Placé à côté de mots. Le mot ou quartier. Donc, ce sont des adjectifs épithètes. Ces rues sont très étroites. Je fais معايا étroite ou je fais معايا les rues. Étroites, راه كتوصف لينا les rues. يعني الطرق. مرتبطه بالبلو نون ديالها بان ادجي بان بان verbe. Le verbe être, un verbe d'état. Donc, étroite, c'est un adjectif attribué. Maison blanchie, ملاصقين. Donc, c'est un adjectif épithète. Un ensemble fortifié de bâtiments. Donc, fortifié. Ensemble fortifié. Alors, moi, l'ensemble fortifié. Donc, fortifié, c'est un adjectif épithète. Ce site historique, historique, ملاصقين. Le site, donc, épithète. De la civilisation islamique. Islamique aussi, il est yani, placé à côté d'un nom qu'il qualifie. Et très célèbre. Célèbre, ça y est, عندنا un verbe d'état, le verbe être. Donc, célèbre, بحال بحال étroit. Ce sont des adjectifs épithètes. Donc, fash غادي نجيو نقادو الجدول ديالنا. عندنا les adjectifs qualificatifs épithètes. عندنا ancien. Ou arabe, ou blanchi, ou fortifié, ou historique, ou islamique, ou juge d'elle les exemples des adjectifs qualificatifs attribués à une étroite et célèbre. Et voilà, donc on va lire le retien. Donc je retiens. Donc, l'adjectif qualificatif est un mot qui sert à donner des précisions sur un nom ou un pronom. Qui est une des précisions, qui est une des précisions, caractérise, décrire, etc. Il peut être épithète ou attribué.
يقدر يكون epithet ou attribut. Donc l'adjectif qualificatif epithet est placé à côté d'un nom qu'il qualifie. حداه ملاصق معاه. Exemple un monument célèbre ou une grande tour. يقدر يكون موراه بحال célèbre هنا. Moral le nom, يقدر يكون قبل منه بحال grande, grande قبل من tour. L'adjectif qualificatif attribut est relié au nom ou au pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. Les adjectifs attributs qui connaissent binhom bin le nom un verbe d'état. Les verbes d'état anna être, paraître, sembler, rester, devenir, kulhom hadou qui sont des verbes d'état. Exemple, la muraille de Chine est gigantesque. Donc, par exemple, la muraille de Chine est gigantesque. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Hadi arfinha bi anna l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre. Et voilà. D'abord, on touche صفحة 31, صفحة الخاصة les exercices d'entraînement et d'évaluation des applications. Donc, l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. سؤال أول. Je souligne les adjectifs qualificatifs dans les phrases suivantes. Donc, la mosquée Hassan II est un grand complexe, donc grand complexe religieux, donc religieux et culturel, culturel au Maroc. Très bien. Ces monuments historiques sont célèbres. Donc, on a historique, on a célèbre. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. D. Au Moyen-Âge, les pays musulmans vivaient une prospérité remarquable. Donc, remarquable. Prospérité est l'izdihar. Donc, les adjectifs li عندنا فهاد لي phrases. سؤال تاني متعلق ديما بهم دونك جو كلاس لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف سوليني دون لو طابلو سويفون عندنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت لي ملاصقين مع لو نون كي كاليفي افيك وعندنا لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي لي تيكون بينو بين لو نون ان فيرب ديتا نبداو بالجمله الاولى دونك الي Donc, la mosquée Hassan II, elle est un grand complexe religieux culturel au Maroc. Nous avons dit que c'est un grand complexe religieux culturel au Maroc. La mosquée Hassan II, c'est un complexe. C'est un complexe. Un grand religieux culturel, ce sont des adjectifs. Les adjectifs au Maroc, c'est un complexe. يعني ما تشوفوش هاد لو فيرب اتر وتقولوا لا راه غران راه كتوصف لنا لا موسكي هو فريمون كتوصف لنا لا موسكي حسن دو ولكن هنا فهاد لا بارتي هادي لو كومبلكس غران كومبلكس مركب ان غران كومبلكس دونك راه واخا جات قبل منها دونك il n'y a pas de verbe d'état entre les deux mots donc grand religieux et culturel ce sont des adjectifs qualificatifs et petit. Donc, هذا هو le nom. وهذا adjectif, adjectif, adjectif. Donc, voilà, غنكتبوهم هنا. عندنا grand, وعندنا religieux, وعندنا culturel. Très bien. Donc, maintenant, on va passer aux phrases B. Ces monuments, ou bien la phrase B, ces monuments historiques sont célèbres. Le nom li kanwsfo huwa monument. L'adjectif historique malasq ma'ah, donc c'est un adjectif épithète, donc rankbou historique hna. Historique. وعندنا célèbre célèbre لاحظوا معايا بان كاين عندنا فيرب ديتا عندنا سون سي تان فيرب ديتا دونك célèbre سي تان ادجيكتيف اتريبي راه بينو بين لو نون كي كاليفي ان فيرب ديتا دونك célèbre غنكتبوها هنايا اي فوالا دونك ندوزو للجمله المواليه سي لو ميزي دو لوفر اي لان دي بلو غران ميزي او موند غران هو الادجكتيف ميزي هو لو نون كي كاليفي ميزي
دونك جا قبل منها، جا قبل من لومو اللي كيوصف، راه كما كتلاحظوا معايا راه هاد غران راه ما كتوصفش لينا لا لو موزي، حيتاش لو موزي هنا راه مفرد و غران راه بلوريال، و لي موزي اللي حداها بلوريال. دونك هاد غران راه كتوصف لينا هاد لي موزي وملاصقين، دونك غران ادجيكتيف ايبيتيت غران. عندنا لي بيي ميجيلمون، دونك ميجيلمون كاليفي، دونك باردون كاليفي بيي، musulman qualifie pays. Donc pays le nom, musulman l'adjectif, had musulman m'lasqa ma le nom, donc épithète en ktbou musulman. Très bien. Le jumla l'akhira, donc vivez une prospérité remarquable, had remarquable katousaf lina la prospérité, donc hta hiya adjectif épithète. ما بيناتهم حتى شي فيرب ديتا. تري بيان، دونك عندنا ادجيكتيف واحد لي اتريبي هو سيليبر، باردون هو سيليبر. وغندوزو دابا ليكزرسيس ديال جو مي فالي، نفس الشيء اي توجور جونتور لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف اي انديك لور فونكسيون. La mosquée sacrée, Andna sacrée. Al-Haram est la plus grande mosquée au monde. Grand. La plus grande mosquée au monde. Donc la mosquée sacrée. La mosquée sacrée. Sacrée. Quand on s'affine la mosquée. Donc sacrée, c'est un adjectif. Un type adjectif point épithète. Et la plus grande mosquée. Donc, cette grande, c'est la mosquée qui est là. Donc, également, c'est un adjectif épithète. Donc, on va écrire adjpoa, l'abréviation d'adjectif épithète. C, ou bien B, phrase B, cette salle de théâtre est spacieuse. Donc l'adjectif c'est spacieuse, ou comme que tu vois راه بينو بين la salle de théâtre واحد le verbe d'état, le verbe être, donc c'est un adjectif, un adjectif attribut, adjectif attribut. Ces objets artisanaux, donc un artisanaux, sont très jolis, ou un joli. Donc, artisanaux, m'lasqa m'a les objets. Donc, c'est un adjectif, un ktbou adjé, épithète. Épithète. Hait ma binatoum, hta chi verbe d'état. Au joli, anna sans. Le verbe sans, le verbe être. Donc, c'est un verbe d'état. Donc, joli, joli. C'est un adjectif attribut. Attribut. جملة الأخيرة au Maroc il y a beaucoup de villes côtières. Villes côtières, 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 يعني المدن الساحلية. Côtières ملاصقة مع ville، ما كاين حتى شي verbe d'état. Donc c'est un adjectif point épithète. Pardon, accent grave épithète. Et voilà. D'abord, un deux autres, le soual akhir. J'écris une phrase contenant un adjectif qualificatif épithète. Yani, ma kench anna un verbe d'état entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. Donc, un qtar halikoum had le jumla. Donc, ce site culturel, par exemple, had al mouqat taqafi culturel et artistique, fanni. Artistique et artistique par exemple est situé, par exemple est situé au cours de la ville, ou bien au cours, يعني في قلب المدينة, au cours de la ville.
au cours de la ville. Donc, ce site culturel et artistique est situé au cours de la ville. Une phrase contenant un adjectif qualificatif attribué. Donc, on va faire comme cette jumla. Cette mosquée, هذا المسجد. Cette mosquée. Et, ah, ouais, le verbe d'état est très, adverbe est très connu. Ma'rouf, aujid ma'rouf est très connu. Donc, il a هنا تنتهي هذه الحصة. أتمنى لكم متابعة طيبة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي خلال هذه الحصة الخاصة بالأدجكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت إي أتريبي. أدعوكم إلى الاشتراك في القناة إن لم تكونوا قد يعني اشتركتم مسبقا في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما جديد الفيديوهات وخصوصا هذا المرجع. وإلى حين نلقيكم في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.